Bonjour fidèles auditeurs de Top Congo FM, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute du magazine Parlons-en. Mbotenabino bandeko balandia Top Congo et sengo mingi ya koeba ete bozaeli susu mingi ya kolanda manaka Parlons-en. Lokola tolakaki bino na poso eleki lelo toko koba sujet otobandaki mardi passé. Page d'histoire. Parlons histoire, le col balobaka, ba relation entre Mboka na biso na Rwanda et Outa Wapi. Et to komi lelo na situation yopo na nini. To meka ko comprendre yango du mieux que nous le pourrons, en tout cas na ba étape ndenge to sala. Le col po na poso eleki nazali abo na studio docteur Lusakweno na ndeko Thomas Luaka Losenjola. Azali chercheur pe passionné na histoire tokobeta na ye masolo ya koyeba Congo ya koyeba histoire ya mboka na biso ndeko toma luaka mbote na yo mbote mingi ndeko Thierry. Alors semaine passée tolobela ki mingi penza bisika to uti biso na Rwanda o ezali l'un des 9 voisins ya République démocratique du Congo. Kasi bato nyoso bazolanda biso certainement bazala kité certains d'entre eux bazala kité balanda kité na lingi to banana au parcours récapitulé mais to bandé koloba ah ko zongela moi ko ça moi résumé il y a différentes étapes il y a ba relation na biso RDC namboka Rwanda avant to kota na chapitre mon kolo lelo. Merci mingi ndeko Thierry Kambundu, merci na bandé ko nyonso yo bazuli baku ya kolanda biso lelo. Ezalaka toujours esengo mingi ya koya ko échanger na bandeko awa na Radio Top Congo. Pona ko na bokuse makambo to lobaki na émission uta ekoleka relation na biso na Rwanda ebandi wapi. Toke na conférence de Berlin. Ba mindele balobi o leto bunda pona ko kabola Afrique to sala réunion monene to yokana ndenge nini to ko kabola. Bake basali réunion wana tango réunion esili conférence de Berlin voici à peu près ba résultat au étali na région des Grands Lacs. To rappeler na bande kuka que conférence de Berlin za eli sanga likita ya ba mindele o kabola ki Afrika. Voilà 13 pays, 13 pays européens ba sangani na Berlin pona kabola Afrique neti gâteau. Exactement, de 1884 tina février 1885. Bah résultat yangoyo France ezui Centrafrique Congo Brazzaville Gabon na bon RC national bi Portugal ezui Angola Grande-Bretagne to Angleterre ezui Uganda Soudan na Rhodésie. Rhodésie comme Rhodésie du Nord yango na Zambie Rhodésie du Sud yango na Zimbabwe et puis Allemagne ezui Rwanda, Urundi na Tanganyika. Tanganyika na indépendance et kusangana na ile moko boya Zanzibar et pesi Tanzanie. Donc tokobando benga kaka Tanzanie pour éviter confusion na province na biso ya Tanganyika. Donc ba Allemagne bazui Rwanda, Urundi na Tanzanie et puis Congo c'est le seul pays africain oyo après conférence de Berlin azali na colonisateur te azali na métropole te na tangi awa ba mboka ndenge ba mekaboli Congo ba créé yango ba bengi yango état indépendant et ce n'est pas une colonie où ezali ko dépendre na mboka mususu ba pesi yango sous gestion ya Léopold II. Voilà comment le 1er juillet 1885 ba proclamer naissance ya état indépendant du Congo na Vivi. Donc au terme ya conférence de Berlin na 1885 Congo mboka mokote ezwaki yango. Exactement. Congo pesi yango na gestionnaire moko komo na yango roi ya Belgique. Roi ya Belgique. Congo eza ya Belgique te mais roi ya Belgique li azali ko kamba yango. Exactement. Pe sur base ya trois principes. Voilà. Tokosa na ba principe wana voilà, yango wana ba créer ke Congo. Principe ya liboso. Etat wana to créer etat indépendant du Congo et kozala etat moko neutre. Soki biso tobundi ba puissance wana soki tobundi Congo akoki kote la mutu moko te. Principe ya mibale liberté de commerce moka nyonso ya mokili o elingi kokende kosala ba affaire na Congo azali na droit ya koya kosala ba affaire puisque ezali neti colonie internationale ya batu nyonso.
principe ya misato, liberté de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents. Voilà principe misato wana ba créer nango état indépendant du Congo. Dans cette zone neutre, biso tout ce toi na posa commerce, toi na posa banka mobeba cop. Exactement. Exactement. Voilà. Malheureusement, ils ont sous gestion ya roi belge. Justement, malheureusement, gestionnaire Obape Saki a bandi ko créer ba droit de douane, a komi ko favoriser ba société na contre ba société ba mboka mosusu. Et puis na ba makambo ko kata ba maboko e bandi, ba ko boto la e Congo, ba pesi ngo na Belgique. Donc état indépendant du Congo et koufi na 1908 et komi sikoyo Congo belge. On a dit que c'est comme une colonie, comme une colonie moussoussou, avec un pays où ils ont géré biso. Tu as rappelé que tout à l'heure, au bétail, il est solo à caoutchouc. Exactement. Caoutchouc. Oh bah, découverte salamay que y a une matière y a aussi la pneu. Pneu. Pour nous ça la pneu. Américain moko comme on a dans l'op a découvert en 1888 que tokoi ko sala puné sur base ya caoutchouc. Caoutchouc an ezawa pi mingi eza na Congo, Léopold a lobi fwangi ndasima caoutchouc donc a komi ko exploiter ngo ko tindika population donc a maltraité population. Ko kata maboko ko boma. Ko sali mosala te. Baloba kakoutou ezali premier génocide ya 20e siècle. Donc baboto lié na 1908 tokomi Congo belge. Ba pesa ngo Belgique ndeni. En réalité, anglais, Bazak a proposé ça la conférence Berlin 2, na Londres, pour na baboto la Léopold 2 gestion. Ba belge ba ke komo na Léopold 2, ba lobita la. Et loko soko cédé te ba américain Bazak a soutenir ba anglais. Soki o cédé biso angote, biso to uto négocier na ba américain na ba anglais. Ba lobiso ko pesi ango Belgique, ba ko tike la biso ango. Mais soko kangami kaka yoza anango, ba ko boto la na yo na biso to kozanga. Voilà arrangement Bazak qui bon. En contrepartie, Léopold II n'a pas été à Congo parce qu'à Sengaki, Belgique est fouta ba nyongo na ebele, ba nyongo ya solona ya lokuta pour na accéder Congo. Voilà comment Belgique est récupéré Congo na maboko à Léopold II. En 1910, Tolobi, ba Allemand baza na Rwanda, ba Belge baza na Congo. 1910, ba Belge na ba Allemand ba koya ko signer accord moko ya le 11 août 1910, accord elobinini. Ba modifier ba frontière ya bamboka na bango donc Congo belge na Rwanda suite ya corona Congo ekoya ko perdre mboka mibale o ezalaki na Congo eke na Rwanda ba territoire ezali vilo lelo koma cha ngungu na Gisenyi ekatisi ekomi bamboka ya Rwanda donc ezalaka na Congo ezalaka na Congo jusque na 1910 Gisenyi na cha ngungu ezaki na Congo. Voilà comment frontière est bougée. Bango pe biso pe tozui ndambu côté ba compensation côté Rutshuru. Tokomi voilà arrangement ya ba belge na ba allemand exactement donc ba bouger ba limite ya ya mboka na biso comme frontière est bougée. Ba population bazali affectée. Ba pesi population oza ko vanda na frontière 6 mois pour ba décider ba opter. C'est ba liko tika na Congo to ko kenga. Exactement. Exactement. Donc ba population ezala ki wana et décider ki pendant 6 mois ba o balingo tika la ba Rwanda ou balingo tika la ba Congolais. Voilà, nous sommes en 1910. Na 1914, le 1er août 1914, Allemagne est déclarée guerre contre la Russie. Tango a déclaré guerre Ayebi que France, Allemagne ayebi que France azali allié ya Russie. Donc France a kokota bitumba. Yango wana Allemagne a anticipé le 4 août a déclaré guerre le 1er août na Russie. Première guerre mondiale. Le 4 août Allemagne et katisi frontière et violer neutralité à Belgique et koti ezu Belgique. Ponani ni Belgique baza kolinga ba kota na Allemagne ayebi Belgique eza entre l'Allemagne et la France. Voilà. Et baza ko luka nzela ya kokota na France. Voilà comment Belgique ezala ki occupé pendant la Première Guerre mondiale par l'Allemagne. Tango sikoyo le 4 août ba attaquer Belgique, le 15 août 1914, ba militaire allemand au baza na Tanzanie ba katisi ba ko attaquer Congo na Kalemie. Donc Première Guerre mondiale et komi na Congo, ba allemand ba attaquer biso. Il faut rappeler que Tanzanie, Tangwane, Zalaki, colonie allemande. Ya ba allemand, exactement. Ba allemand, mutuaza kuna. Yango wana, ba congolais, tokoya ko réagir, mais Allemagne, comme azaki na supériorité en termes ya ba bato, pendant la Première Guerre mondiale, Allemagne a zo contrôlé lac Tanganyika nyonso, azu yango nyonso, na lac Kivu nyonso. Donc, mission Allemagne, zali non seulement
ko attaqué toko bot fin ko kota na Belgique na France ninga salaki na aleki na Belgique et puis pour objectif ningo kota na France mais aussi à boto la ba colonie. Exactement, to mona ki mon émission passée les Allemands avaient proposé ba anglais ba kabola Congo ba anglais ba boyaki yangona bitumba pe e kobima donc objectif à Balma, bah récupérer Congo. Bah attaquer Kuna en Europe, ah après bah attaquer bah colonie. Exactement, exactement. Donc tant qu'on va contrôler la Kivu, le seul territoire à Congo où ils allaient occuper l'Allemagne pendant 4 ans, 1914-1918, ils allaient Île Idjoui, ils allaient occuper la force allemande. Na 1916, général Charles Tombeur, commandant la force publique. À la suite, il y a une tentative allemande de la Congo. En 1916, le général allemand Paul Vorbeck a décidé de partir à Goma pour qu'il y ait une mine de kilomètres, une mine d'Orna Ituri. Le général Oya Congo, Charles Tombeur, a réagi à la force publique. Il y a Rwanda, mais Charles Tombeur a dit non, j'ai eu un peu de temps déborder. Charles Tombeur a mobilisé 15 000 militaires congolais. Banamboka, ba congolais, ba koti na Rwanda. Ba attaqué Balma na Rwanda. C'est ainsi que le 9 mai 1916, Kigali et Kweyi, ba militaires congolais, 15 000 militaires congolais, ba zui, ville à Kigali. Le 6 juin 1916, Bujumbura et Kweyi, na mois de juillet, Rwanda nyonso na Burundi nyonso, ils allaient contrôler na force publique na ba congolais. Tout ça là qui exemple et témoignage, moko ya l'un des 15 000 bakendeki, sergent Edouard Kengo, koko ya Kengo, ya Léon Kengo Adondo. Donc, voilà comment les Congolais ont libéré Rwanda. Oui, donc sous le commandement, il y a les Belges. Exactement. Donc, tu as conquéri les colonies, il y a les Allemands. Donc, sous le commandement, tu as été Tanzanie. Rwanda, Burundi, Tanzanie. Tanzanie, tu as été Mboka Babengi, Tabora, Dodoma, Mayenge. Et puis, tu as été guerre Sili. 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 France. A récupérer Togo na Cameroun et ça la ka ba colonie à Balma, ba botoli yango Balma pour ba poli bitumba. Angleterre et ko soit Tanzanie, Afrique du Sud et Zui Namibie. Enfin, Angleterre. Angleterre. Toulouba. Na 1923, Société des Nations, oeko, après qu'il y a eu bon an, comme ONU, Nations Unies, Société des Nations et ko pesa Rwanda, Urundi, na Belgique. Le bibi n'a pas participé à la bitumba, il a été mis en train de se faire. Voilà comment Rwanda, Burundi est commis la colonie belge. Belge. Il a été mis en train de se faire. Mais colonie belge. En 1925, la Belge, pour faciliter l'administration, il y a une colonie, 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 Congo belge, na Rwanda, Urundi, c'est un territoire. Il y a une Rwanda, Urundi, ba annexé na Congo. Yangoana, après quelques temps, Rwanda, Urundi, il y a une septième province ya Congo. Tokomi Mboka Moko, ça veut dire Rini, Tozana, gouverneur général, non, chef de l'État Moko, royal belge, gouverneur général Moko, Azana Kinshasa, capitale et Lokwana Nyonso, Congo belge, Rwanda, Urundi, et Léopoldville, armée Moko, force publique, où ils allaient sécuriser, il y a des Congolais, il y a des gens qui sécurisent, Rwanda, Urundi, et puis Tozana Mbongo Moko, la Banque centrale Moko. D'accord. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Histoire, ya Rwanda, paya RDC, kobanda ba origine, kinolelo, tozolo belayango, leleza chapitre 2, hein. Na député national Thomas Luaka to sika tozano na stade ya kozonge la maitolobela ki semaine passée avant to kota na étape ya lelo. Donc Congo, Rwanda, Urundi comme territoire moko et comme mboka moko sous la gestion moko, ya Belgique armée moko mbongo moko sikoyo
tango tokomi mboka moko. Nous sommes en 1925. Tango tokomi na 1930. Ba Belge, ba bandi, ba salik, eloko moko ba bengi yango MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Puisque komi mboka moko, ba komi ko kende ko zwa batu na Rwanda, pona koya ko installer bango na Kivu. Donc, opération ana ibandaki de 1930 tina 1950. Pona nini, la raison essentielle, c'était que ba colon belge ba s'installer mingi na Masisi, mais population ba tuya misala baza mingi te main d'œuvre. C'est comme pe, toye baka yango, pendant la colonisation, ba belge ba ne kozwa batu na Kasai. Ba memi bango ba kende kosala na Jekamine. Yango communauté ya ba Kasaye eza munene na Katanga parce que ba belge mutu ba déplacer ki bango na époque wana. Le même phénomène s'applique entre le Rwanda et le Kivu. Ba fi ozwa main d'œuvre na Rwanda. Na Rwanda ba ko installer bango na Kivu. À peu près ba estimation tozala kanango c'est entre 150 000 et 200 000 Rwandais au bazala ki installer essentiellement dans le territoire ya Masisi. Ba bengai bango ba transplanté. Les losoko ke na Kivu oyoke ba yebisio transplanté eza ba Rwandais au ba utaka Rwanda bazala ki installer na Kivu mais pourquoi ni ba kenda ozwa kaka bango. Bon, explication mususu wa lobaka parce que densité, nombre ya population na Rwanda ezali élevé par rapport à espace. Na peso exemple, superficie à Rwanda c'est 26 000 km carrés à peu près. Kinshasa c'est 9 000 km carrés. Donc Rwanda c'est 26 000 km carrés. Le Nord Kivu, Yango Moko, ezali na 59 000 km carrés. Rwanda et Kokota na Nord Kivu à peu près deux fois. Donc au moins que espace ezali na Nord Kivu par rapport à nombre de population bazana Rwanda. Voilà comment baza kozobata na Rwanda pour na ko déverser bango na et puis le bail peli comme kuboko la bile faire élevage baye wana ko sale ça va fermer parce que ba belge ba créer ba ferme ba plantation minene ba bandi pe ko sala ko élevage ba ngombe. Donc voilà, mais si ko situation na biso na bango to ko ya okabwana kan le 30 juin 1960 tango biso to zui indépendance ba belge ba continuer na Rwanda ou Burundi ko coloniser. Donc ba pesi Congo kaka na territoire, exactement territoire na biso ali colonie. Voilà comment biso na Rwanda te ko kabwana bango ba ko ya ko zo indépendance le Rwanda et le Burundi ba zo indépendance mu kolomoko le 1er juillet 1962. Voilà comment to kabwana na bango siko pona ko kene bango na 59 mobule bimaki na Rwanda 60 000 tutsi ba kimi Rwanda ba ina Congo. Tutsi ba yiko s'installer na Congo comme réfugié. Siko yo tokomi na bon ba misusu tolobaki ba kenaki na Uganda ba papa ba Paul Kagame na ba Kabarebe ba misusu Tanzanie ba misusu Burundi mais oba yaka na Congo bazalaki 60 000. Siko to ju indépendance problème ya nationalité s'est posé. Nani ako participer na ba élection? Nani aza congolais, nani aza congolais. Exactement parce que to se retrouver na Nord Kivu essentiellement problème na ba rwandophone. Ba rwandophone bango banani. Ezali bato baza ko vivre na Congo mais balobaka kinya Rwanda munoko ya Rwanda nde tobenga bango ba rwandophone na Swahili balobi banyarwanda. Toza na bikolo misato o balobaka kinya Rwanda na Congo. Tozali na ba Hutu, ba Tutsi na Batwa. Batwa nde ba pygme. Mais sikoyo na trois ekolo wana tokomi na strat to kategori misato. Tozali na ba nyarwanda oyo ba belge ba kutaki na Congo. Tokobenga bango ba autochtone o bazaki na Rutshuru par exemple tangu tokaboli ba kaboli mboka ba nyarwanda mususu ba retrouver na Congo. Wana bazali ba autochtone. Deuxième catégorie tozali na ba nyarwanda ba transplanté. Il y a 50 ba kina rozwa 300 000 wana ba ba voilà. Troisième catégorie de 1930 hein? De 30 à 1950 et umeraki 20 ans. Tokomina, troisième catégorie, ba réfugié ya 59. Na trois catégories wana, nani aza na droit ko vote. Ba belge ba yeko zwa loi moko loi électorale en 1960 et lobby boye, les ressortissants du Rwanda ou Burundi installés au Congo depuis au moins 10 ans. Tout ça en 1960. Depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire depuis 1950, ont les droits de voter.
Donc voilà comment va transplanter, va participer à une élection en 1960. Mais le problème est que kaka, est-ce que va voter comme va Congolais? Tout va voter comme kaka va statut moko particulier et yébanité. Na 64 Kasavubu, président Kasavubu, avec aussi sa constitution à Lolobour, constitution Lobiboy. Et Congolais, oyo nyonso, ba tata nae ba koko nae ba zalaki na Congo na 1908. Et là, qui c'est qui va transplanter? N'a pas transplanté. N'a pas réfugié. Bazaba Congolais. En 1971, directeur de cabinet, il y a Mobutu, comme on a eu Barthélemy Bisengimana, a initié loi Moko, loi à 72, 15 janvier 72. Babé, loi Nelobi, les ressortissants du Rwanda au Burundi, au Bavana na Congo, à partir de 1950, Bakoma Bazaïroa. Donc, à Zongi, na logique à Babel. Voilà, Bisengi, Babé, na loi Bisengimana. Donc, Bakomi, Bazaïroa. Ndengenini, yé, directeur de cabinet à président Mobutu, à Kokai, pour initier loi. Non, Azaki influence, c'était l'homme le plus puissant après, à part les maréchaux. Parce que Bisengimana, Azaki rwandais, c'est l'ancien président des étudiants rwandais à l'Ovanium. Mobutu, eh bien, que Bisengimana, Azaki rwandais, mais Azaki est kaka, pas eh bien, que l'ambition n'est qu'aux à la limiter sur le plan politique. Il a été son directeur de cabinet de 1969 à 1977 ou 78, je pense. Dans 1981, Tango Bisengimana a accueilli, conseil législatif et annulé loi ya Bisengimana en 72 ba ekozwa loi ya sika et Lobiboy et congolais celui ba kokonaye ba nani naye bazalaka na Congo na 1885 en tout cas tozongi sika et puis ça veut dire exclu ba transplanté exclu ba réfugié ba exactement ba ngonyo so basa soba et puis si tension na Nord Kivu. Donc voilà un peu situation oyo tokoya okomanango na conférence nationale ba décider question en atéti na nene to mona ki mobule ko bima na Rwanda bana ba réfugiés o ba sala ki armé na Uganda ba ko libérer mboka na bango génocide ebimi. Donc APR, Front Patriotique Rwandais, James Kabarè, Paul Kagame, basu pouvoir na Kigali ba réfugiés ba yé. Si ko yango ko permettre biso ba réfugiés ba na Congo Tomona, Lelo, Oba Bengaka, les guerres du Kivu. Pour comprendre l'insécurité à Kivu, il faut que banana 1993, ti na 1996, des chapitres Tokomona Lelo. Voilà. Je pense que Wana Torozo, on a deuxième partie à Mission Abisso, juste après journal na Lingala, mais juste na vous rappeler, hein. Alain Totika, il y a une minute. Bon, enfin, on va y revenir tout à l'heure, en tout cas. Tosuki Wana. Tosuki na décision oyo elobi ete et congolais motoyo azalaki naba barrière grand-parents na ye na mabele ya Congo na 1885 et peut-être le comme peu important na 91 bana ba réfugié rwandais bazalaki na Uganda ba bandi guerre contre le Rwanda ba comme na 70 km à Kigali Poba ko isa biarimana Mobutu atindi ba militaire zairwa na mayele a mai général mayele na ba congolais ba beti ba Paul Kagame na 1990 ti ba zogi si bango na frontière ya Uganda wana peza chapitre important to yebaka ndenge nini ba Congo biso tokota ki bitumba Rwanda. D'accord, to zongela ngo d'ailleurs olobela ki li solo ya relation entre Paul Kagame na Yoweri Museveni hein tout à l'heure na première partie to zogi tan ya olobela un peu ndenge Yoweri Museveni a comme président il y a Ouganda et puis Nengenini Paul Kagame ayaki ko sous encadrement naé entre autres ko créer rébellion au Kenakiti et même na Bokondi na Rwanda Sikawa tout à l'heure tu reçois les guerres du Kivu. Exactement. Voilà. On se retrouve donc après le journal en Lingala. Parti, il y a parlons-en, il y a Mokolo Lelo, il y a Lelo, Tozolo Bela Histoire. Lelo, parlons histoire et des relations entre la RDC et le Rwanda, des origines à nos jours. Tozolo Bela Yango, Na Ndeko Thomas Luwaka, Losenjola, chercheur en histoire. Alors, Ndeko Thomas Luwaka, to récapituler Makamotolo Baki, na Poso Eleki, parce que Lelo est deuxième partie. Batu Bazaki qui n'a retard, en tout cas, Bazaki sous son droite à se plaindre pour. Oh, tout ça là qui, en deux heures émission passée, il y a un tour de la deuxième partie. Bisika to outi na Rwanda, Tikino na Babitumba, ya Kivu.
au soka qui n'a nos place il y a mouvement au génocide, enfin, au MMA qui génocide. Ok. Tout le bas rébellion na Rwanda. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Na lingio banana nos place il y a bas militaire na biso sous la conduite du général Maele au bas Kendaki pour défendre pouvoir il y a président Abiyaribana contre APR il y a bas Paul Kagame na Rwanda. Ok. Merci Mingindeko. Tomona ki yango na 1986 Museveni asala ki rebellion na ye alongi pouvoir na Kampala azu pouvoir na mouvement na ye babengion NRM National Resistance Movement na Uganda armée na ye NRM NRE tango azu pouvoir abimi na 20 000 militaires na Zamba. Parmi les 20 000 militaires wana 5 000 ezali ba Rwandais bana ba réfugiés rwandais bakenda ko bombana na Uganda. Si que tangu a eu pouvoir pour nous remercier bango abandi ko pesa bango ba poste pe clé na kati ya appareil ya l'état. Un exemple, Fred Rugema ozala ki camarade na kati ya Zamba rwandais a comme vice ministre ya défense chef d'état major général adjoint. Paul Kagame, major Paul Kagame, numéro 2 ya demiap na bango renseignement militaire. James Kabarebe, officier de renseignement na armée ya Uganda. Ba Uganda ba komi ko imaima yango wana Museveni aye ko mona ba alié na ye ba Rwanda ba komi encombrant ndenge ni na ko se débarrasser na bango il faut na aider bango ba kende ko libérer mboka na bango Rwanda po ba kende batika ngape kimia yango wana ba Rwanda Fred Rugema ba eko sala mouvement ba bengi yango FPR Fonds Patriotique Rwandais na branche armée nango ba bengi APR ba décidé le 1er octobre 1990 ba attaquer Rwanda avec 3000 militaires. Le 2 octobre, Mukonzi na bango, général Fred Rugema, ba bomiye, parmi kaka, ba soda ya APR. Museveni tango ayoki ndenge wana, atindi message na États-Unis, esika na loba, poule na ye, abane ko, akene ko sala stage moko militaire, Major Kagame. Museveni ayebisi zonga wa ba bomi Fred Rugema, yaka kozwa direction ya mouvement. Voilà comment Paul Kagame a zongi a komi mokondi ya APR. Bakoti na kati ya Rwanda. Bakomi na 70 km ya Kigali parce que armée ya Biarimana ezako bundate ezako kima. Abiyarimana moni danger wana abengi maréchal Mobutu alobi yaka kusunga ngai. Yango wana na 1990 Mobutu a monté opération moko spéciale, ba militaire ya DSP, ba commando bazaka formé na Kisangani, na ba militaire ya Demiap, ba kei opération ya ko soutenir régime ya Biarimana, ba bandi ko bundisa ba Paul Kagame, ba beti bango ti ba zongisi bango na frontière ya Uganda. Voilà comment armée zaïroise ekota ki bitumba ya Rwanda na 1990. Siko wana po tozonga sikoyo na situation ya épisode ya lelo po to comprendre épisode ya lelo tout banama kambaba province to uti komona ke avant indépendance Congo Belge Rwanda Burundi ezalaki na 7 provinces tangu tozu indépendance to tikali na 6 provinces c'est-à-dire Léopoldville Équateur province orientale Kivu Kasai na Katanga. Il y a un monde qui a 6 étoiles où il y a drapeau et indépendance. Tout ce qui est 6 provinces, province moko ekei, il y a un monde qui est la Rwanda ou Burundi. Si koyo Mobutu a décidé à la suite, il y a Balouba ya Kasai, Balouba ya Katangate, Balouba ya Kasai, Babundi, oyo bavanda kapeme na rivière moko babengi yango, Mbujimai, na baoba zalaka na rivière moko babengi yango Lulua. Bangonyo sobazayi na Kananga, Babundi, Baluba ya Mbujimai, Balobi biso foto sa la province na biso. Makambo ya koza na province, moko na Baluba na msusu, Baluluwa, tolingi angote. Mobutu aeko panza, province ya Kasai, ekomi mi bale. Baluba ya Mbujimai, na Baluba ya Kananga, babengi wa mba Luluwa. Voilà comment tokomi na province, nomba province emati. Leopoldville pe baeko panzango. Na 3 provinces, et puis si province à Kinshasa, province à Bandundu, na province à Bakongo. Na 1988, Congo azali na 9 provinces. Mobutu alobi ba province yango elekeka kaminene, to banda lisusu redécoupage, na 1988. Mais to banda de manière expérimentale. Yango wana Kitima Bin Ramazani, akoya kosala ko joindre influence na ye, alobi
test wana il faut to salango to ban experience on a Kivu province ya Kivu ba eko katango na biteni mitsatu et pesi nord Kivu sud Kivu na Manyema. C'est comme ça que na 1988 to leki na 11 provinces si ko le loto kota la province ya nord Kivu. Nord Kivu ezali donc ezali reformé nord Kivu bazali na 6 territoires na 3 villes. 6 territoires ezali nini territoire à Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero na Beni. Et puis ba ville ezali ville ya Goma, Butembo na Beni. Peuplement ya nord Kivu. Nako pesa ba détail yo po o explique toko comprendre ba bitumba entre ba tribu. Peuplement ya nord Kivu tozali na Walikale, tozali na Batembo, Bakumu, Banyanga, Bambuti, Bambuti nde ba pygme. Na soli ba benga Bambuti. Ba Unde, ba Rega na Bakusu. Masisi tozana ba Unde, Batutsi ba Utu, Bambute na Batembo, Nyiragongo, Bakumu, Utu, Tutsi, Rutshuru. Tozana ba Utu, Tutsi, Nande, Unde, Twa. Lubero banande, Beni banande. Sikoyo guerre ya Kivu, oba benga la première guerre de Kivu ba nindenge nini. Tension ekomiko bima entre oyo baza ko mibenga ba autochtones na ba oyo ba benga ka Banyarwanda. Ezala oya, ezala ozala kawana ba tribu mususu bazongo na bango ba paya po baza ko ba munoko ya Rwanda. Wana nous sommes en quelle année? Wana toza na 1993. Tension ngweza po na nini? Ba tribu o mususu ezako considere ke Banyarwanda ba profitaki na position bisengima na zalaka nango tango za réalisation po bazwa ba mabele bazwa ba ferme bazwa ba plantation. C'est vrai que niveau de vie à Banyarwanda ezalaki plus élevé que ba tribu mususu et pesi moi likunya. Problème ya ba konomi ba chef coutumier ba lobi bino bwana droit ne par exemple Banyanga ba ko yebisa ba transplanté bozana droit konomi ba chef coutumier te puto yamba kabino ko yamba bokumi ko zwa mabele. Les problèmes fonciers se posent aussi, problèmes économiques et tension et komata après conférence nationale ba élection zala qui prévu et ko zala na 1994 ba tribu wana ba lobiso ki totiki ba Nyarwanda ba voté ba koya koleka biso na influence politique donc to kondi mama kambwana te yango wana le 20 mars 1993 na marché ya Katoto na marché ya Ntoto ba jeune nyanga ba milice nyanga ba na marché ya Toto ba bandi ko massacrer Banyarwanda Banyarwanda na to comprendre bien zali ba Hutu na Batutsi ba bandi ko massacrer bango. Voilà comment première guerre ya Nord Kivu et bandi le 20 mars 1993 tangu guerre wana bandi chaque tribu et sali milice nango ba milice nango ba bengi nini pona ba nyanga milice nango ba bengi nango katuko ba unde ba ngomba komi ko benga ba mai mai. Voilà comment phénomène mai mai eko reprendre ba ngilima eza ba nande ba ngomba mibengi ngilima et puis ba utu ba créer mutuellement ba bengi yango magrifi mutuel agricole de Virunga et puis ba utu na ba tutsi ya Nord Kivu ba kosangana na mutuellement ba bengi yango umoja. Donc, première guerre, il y a Nord Kivu, et Zali qui opposé, ba tribu, au baza comme ibenga ba autochtone contre ba Nyarwanda. Et puis, dégâts, il y a eu salama, bitumane, comme il y a de 1993, tina 1994, ba village, il y a pillé, ba champ brûlé, ba bétail volé, et ba civil, ba Zali tué na machette, ba tu ba komi ko nettoyer ba colline, ba koi ko fanana tribu moussousouté. Bilan ya bitumba ya première guerre ya Nord Kivu 1993-1994 on estime entre 6000 et 7000 morts au minimum, 200 000 déplacés en quelques semaines. Donc calme koya ko zonga parce que ba ONG s'est impliqué ba komi ko solula et les phases sont là. L'armée a Mobutu eza wana mais ba tu ba remarquer que armée a Mobutu eza ko intervenir te pona nini ba tu bazali ko soupçonner Maréchal Mobutu, puisque Azali dérangé awa na démocratisation, atika des ordres, on a pona kolakisa ke sa yé
Congo et Koko et Anakati à Kao. Parce que discours à Mobutu et Zalaki, avant Gaï, Webi Wanze Mango, 60 à 65, Mboula Mitano Tomoni passe. Donc, le discours du maréchal, c'était qu'avant Gaï, Congo et Zalaka Kao, Namnatia ordre, après Gaï, Soki Bolongo Lingai, Congo et Kozonga na Kao. Il faut rappeler qu'au plan politique, en 1993, wana awa ezo inda. Exactement. Démocratisation, des alliés conférence awa nationale, Makamwanya Sotoza, le contexte politique wana. Exactement. Donc, voilà comment Makambu est à peu près Kozonga na normal. Mais Makambu, ekoya ko beba les sous ndengenin. Ekoya ko beba, à la suite, il y a un événement en 94, où est Monaki, et le qui na Rwanda. Rwanda a parti à 6 avril. Babomi président na bango, Juvenal Habyarimana ba beti avion na ye. Début à génocide. Génocide est ça, il y a à peu près 800 000 morts. La grande majorité zaba tutsi au bazali massacré par les Hutu na Rwanda. Le 10 avril 1994, APR armée à Kagame et relancé guerre civile, va reprendre guerre. Alors que Bazaki n'a cessé le feu, Balobi tokoye ko vanda boete, ba tout si baza ko usil sa bangokuna. Et puis, renversement à régime Hutu Habyarimana, victoire à FPR, FPR est sur pouvoir en 1994, arrivé au Congo de 1 200 000 réfugiés rwandais, ba kati si frontière ba ye, dont 750 000 ba s'installer na Nord Kivu. Pour n'avoir qu'un génocide. Pour n'avoir qu'un génocide de Bitumba. Bitumba, après Bimisi. Arrivé, il y a un réfugié rwandais et qui a occasionné au Babengaka la deuxième guerre du Kivu. Deuxième guerre du Kivu est commandée de 1994 jusqu'à 1996. On rappelle que première guerre, Ezaki. 93-94 entre ce qui s'appelle les autochtones contre Banyarwanda. Et ça lie autour de 6 000 morts. 6 000, 7 000 morts. Ok. Si quoi, Bitumba, ou quoi, on n'a rien ba réfugié tant ba komi wa s'installer na katia camp tout le monde a qui a ba militaire ba zaki désarmé te. Ba rwandais ba eko créé na ba camp les GRE ou bien GRE et la qui si gouvernement rwandais en exil ba sali gouvernement na bango na Congo. Ba reconstituer état-major ya ex-FAR armée na bango donc ba réorganiser ba eko créer mouvement mokoto parti politique ba bingyango RDR RDR la qui c'est rassemblement pour le retour et la démocratie au Rwanda. OK, tu rappelles que bato ba donc na bitumba lo la APR ya Paul Kagame bazaye ko pusana ba on bazaye rébellion à l'époque ba militaire il y a gouvernement ba kima ki ba kota na RDC na minduki na bango armée na administration nyonso na bisho 1 200 000 personnes ba koti na Congo donc gouvernement na zaki ya Kigali et comme na Goma siko na ba kamba réfugié donc ba salina mouvement na bango ba eko décider ba lancer bitumba mibale bitumba liboso ba lobi faut continuer bitumba na Rwanda guerilla hein tokati saka to bundisaka aper kuna et puis to yakako bomba na kati ya bakamba réfugié babandi ko sala ba mouvement na plusieurs infiltrations salamaki et puis aper yangope et komi ko sala nini et komi ko landa ko yakoko kota na Congo pona ko attaquer ba réfugié. C'est ainsi que dans la nuit du 11 au 12 avril 1995 aper est attaqué quand ba réfugié à Birava le 8 mai 95 quand ya Kigamiro novembre 1995 attaque ya Ilawa. Ba soda ya Mobutu balobi APR a exagéré. C'est ainsi que fin avril 1999 les militaires de Mobutu vont traverser la frontière et attaquer la ville de Bugarama. 1995 ba phase forces armées zaïroises et katisse et attaquer Rwanda dans la localité à Bugarama. Donc ba forces armées oyo ya pouvoir déchu ya Uganda ya Rwanda ba kotina mindoki na baka ba réfugié ba komisi ko kokena ko attaquer armée rwandaise ya ba Paul Kagame kuna bazokende bazozonga forces armées pe ya APR et komi ko landa bango awale armée na biso basiliki bango pe bakati mais tozongela na problématique ya désarmement na bango ndenge nini gouvernement na biso à l'époque batikaki ba militaire ya armée à pays étranger ba kotawa na mindo ki na bango sous prétexte ba ki ba bitumba. Non, problème ezali ba expliquer ki ngai ya mona ba conseil ya Kengo Dondo tango na zalaki premier ministre. Alobi c'était difficile
au désarmer armé Mobimba. Imaginez que Bisson a Kivu totinda armé na Bisson Mobimba te. Na lobaneti totindi brigade moko 3000 personnes ou 6000 personnes ezakuna et ko sécuriser Nord Kivu na Sud Kivu. Si ko bango ba katisi baza à peu près 5 brigades et katisi, 2 brigades ya ba congolais ko désarmer bango ndengene. Donc c'était difficile ba katina ba char de combat na ba auto blindé. Voilà comment Bayaki va s'installer, va commis comme ça. On a guerre à Liboso, va continuer guérilla na Rwanda. Deuxième guerre, Oyo, ba Rwandais, ba réfugié Rwandais, ba eko décidé, bango ba lobi, sikoyo, biso, il faut tout ça la conquête, na nettoyage ethnique, ya triangle na Congo. Province ya, territoire ya Masisi, Walikale, Rutshuru. Et si katomoni bitumbele kaki entre ba autochtone na ba nyarwanda. Si koyo ba utu kongole, ba kozwa renfort ya ba ndeko na bango ou ba yeba refugie. Ba ye, kotia bango maboko parce que ba utu ba ndeko buda na ba mai mai. Ba mpe na ba flèche, omoni bitumaneti ya, ya ba senzi kwa, boko buda na ma konga etu etu. Imagine si koyo armé eye ya solo. Armé eko kote la bloc utu, to se retrouve si koyo, na combien de blocs? Na 4 blocs oeza kobunda na Nord Kivu. Bloc utu oeza li banyarwanda utu ya Masisi batu ya Magrivi na ba bande utu ya Rwanda o ba uti ba lingi kofana na bakamba refugete ba koti na interior kuna bake kotia poa na bandeko na bango ba utu ya Congo ba yena ba arme automatique groupe ya Liboso groupe ya mibale tozana banyarwanda tutsi Oba kabwani sikoyo na banyarwanda utu parce que conflit ya Rwanda eko kota na kati ya Congo coopération entre batutsi na bahutu esili ba utu batutsi kongole baza kozwa mwa soutien moko ya muke ya APR de temps en temps tindela kabango ba arme groupe ya misatu les milices autochtones tozana banyanga ba unde ba tembo banande ke babenga ka de manière générale les mai mai bango balobi to kondima makambo ba utu balimba ya komone la biso te na mboka na biso. Et puis, groupe ya mine, tozali na ba militaire ya phase. Militaire ya phase, basali wana eremongo ba koti, eremongo ba kumiko teke la groupe ou manduki, donc sali moi désordre. Conséquence ya deuxième guerre ya Kivu, ya 94 et 96, population ya Masisi, ya Walikale, bako vivre enfer, véritable enfer, pillage, massacre, représailles, et puis bilan. Tout le monde a dit que la première guerre, il y a 93-94, il y a 7000 morts. Bilan, il y a la deuxième guerre, il y a Kivu, et il y a 30 000 morts. 30 000 personnes ont koufi avec 250 000 déplacés en 2 ans. Grâce au renfort de Hutu, qui est ex-phare, qui est interamoué, ce sont des militaires formés, Hutu est long dans le nord Kivu, qui est imposé loi na bango, les soldats Mobutu sont kotala. Là, nous sommes en 1995. Ce qui fait que tout si il y a Nord Kivu se sentir en insécurité, longwe kuna na wakati ya ba territoire, ba na Goma. Tant ba komi na Goma, 15 000 Tutsi ba katisi ba ke ba réfugié na Rwanda. Wana ba départ, tokolo ba départ volontaire, ya 1996. Mais tant que départ volontaire sili, ba tutsiko ba komi peko bengana ba Tutsi congolais na makasi. Bozonga bokende pa na bino exemple moko tozaka nango soko komi na Goma lelo boulevard ya munene ya Goma babengi yango boulevard Leonard Kanyamuwanga. Kanyamuwanga yenani? Kanyamuwanga za tutsi ya Rutshuru abane ko sala na supermatch ako sala na supermatch sikota mazo sala na bakomi ko bengana ba tutsi ba ebisie papa kati sa frontière abina kende Rwanda ko sala nini Nazana ndakute, nazana famite, nga naza kongole. Baro mime soko vandia bako bomayo. Alobi na prefere, babo manga na mboka na nga Kongo, kena kende na mboko yo na ebi mutute. Donc, tutsi wana aboyi a deside a kukatsa frontier te. Aner, tangwana bandako bengango ani. Aner ya Mobutu bakangie, koti na kata kasho. Tangu afdele ye, batu aner bakimi. Afdele ke kufungula papa wana nakabakuti na kata kasho. Likambunini, abeti li solo na ya lobi, voilà, nga na boye kokende, tu. Ah, muze asepeli na histoire na, lobi oza patriote ya solo. Voilà comment mutuana Laurent Désiré Kabila na konti ya Fidel, akoya konomeye gouverneur ya Nord Kivu.
yango pona ko rendre hommage bana Goma ba pesa boulevard monene ya Goma kombo ya Leonard Kanyomwanga. Donc to évoluer. To évoluer sikoyo to komi na gouvernement congolais balobi quand même faut to sala quelque chose. Solution ezali nini? Solution ezali ko benga na ba réfugiés. Mais ko benga na ba réfugiés plusieurs groupes ezali ko s'opposer à ce que ba réfugiés ba zonga Rwanda. Groupe Eliboso ba réfugiés bangomoko. Balobi non sécurité zate na kati ya go ya Rwanda bande kona biso bakati saki bazo maltraiter bango kuna na ba soda aper biso tuza na sécurité te to katsate. Deuxième groupe ba organisation de résistance ya ba Rwandais. Balobi tokoyi kotika population ezonga te parce que biso tokozali sur na base te. Donc vaut mieux ba réfugiés batika na Congo parce que tuza ko contrôler bango. Troisième groupe o ezali ko s'opposer na retour ba autorité ya Kigali. Kigali a lobby, wana nyonso ba kima ki ba kende Congo parce que baza na conscience tranquillité. C'est que baza contre biso. Donc baza banguna vaut mieux batika la kana Congo bazonga awate. Parenthèse moko tokoyi ko fungola pona ko comprendre ta makambu ya M23. Entre 1992, 93 na 94, Bitumba a per tango zo salama na Rwanda, a per a ko recruter ba soldat mingi na Congo. Mingi bazalaki banyamulenge na batuti ya Nord Kivu, mais ezalaki batuti te ni ya Sud Kivu to ya Nord Kivu. Ba eko recruter pe ba bikolo mususu. Omonika bana ya Nord Kivu, Sud Kivu, ba décidé ba ke no kokota na APR po basalisa APR a gagner pouvoir kuna. Ba congolais. Ba congolais. Tozana ba exemple. Ba congolais oyo ba sala bitumba ya APR pona ko libérer Rwanda. Oyo a yebani komo na ye Anselme Masasu Nindaga, oyo comme fondateur ya AFDEL. Masasu azali mushi tribu ya ba président Bahati na Kamere, asala bitumba ya Rwanda na konti ya APR. Tozala ba exemple mususu moko bande ko benga commandant Moses. Commandant Moses a bundi bitumba ya Rwanda na konti ya APR, azalaki Nande, Remi Kayembe azalaki Unde, commandant Mushungu azalaki Nyanga. Donc beaucoup de Congolais se sont battus na kati ya APR pour na ko libérer Rwanda. Lelo oyo ba autorité rwandaise baza honnête ba yebaka contribution ba Congolais ba mema na bituma Rwanda pour na ko libérer Rwanda. Sikoyo wana mwa parenthèse pour na expliquer actualité, oko remarquer que ba mouvement mingwe bimaka na Kivu o eza pro rwandais ezali dirigé na ba ancien militaire congolais oyo ba bunda na bazaki ba militaire ya APR. Na koyeko pesa quelques exemples. Na konti ya CNDP, Laurent Kunda. Laurent Kunda zalaka militaire ya APR. Asala bitumba ya Rwanda. Bosco Taganda. Asala bitumba ya Rwanda na konti ya APR. Sultani Makenga. Asala bitumba ya Rwanda. Mutebuzi. Asala bitumba. Donc ce sont les anciens militaires de l'APR. Oyo bazonga na Congo ke souvent Kigali a utilisé ka pour na ba ambition na ye. Donc voilà un peu situation qui s'est présentée. Voilà, merci beaucoup. Nanor Kivu. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Parlons histoire. RDC Rwanda, bah relation à Bissoko Banaba origine Kino Lelo, Wana deuxième guerre ya Rwanda, ya Kivu, ya Kivu. Deuxième guerre ya Kivu. Juste Mutuna Moko. Face à tout cela, réaction à la communauté internationale les Akinini. Ah, vous avez raison de quoi. Voici position à la communauté internationale. Tant que génocide na Bitumba et reprendre na Rwanda. Mobutu na gouvernement na ya Kengo ya Dondo était catégoriquement opposé à ce que ba réfugié ba kota na Congo. Ba image ezali kutu oyo komona ba soldats congolais ba soldats zaïrois à l'époque ba zali ko bloquer na frontière na pont po ba rwandais ba katisa. C'est la communauté internationale et ko ya ko sala maréchal pression et ko ya ko sala gouvernement congolais pression pour na ko permettre bango ba réfugiés ba kota na Congo. D'ailleurs, c'est comme ça que les Français ba eko monté opération turquoise. Qui gère opération turquoise ezalaki na Congo na Goma, baza ko sala kuna. Donc voilà,
turquoise est facilité pe ba réfugié ba côte wana présence ya ba réfugié rwandais na Congo, c'est une demande de la communauté internationale. Deuxième élément, les camps de réfugiés Mobutu na gouvernement na Kengo ba sengi communauté internationale. OK. Bosi bokoti bango, mais voici le problème. Ba convention internationale et sengi ke mboka o yambi ba paya ba réfugiés, il faut éloigner bango de 50 km na frontière na bango. Bomoni ke ba rwandais bazaka kana frontière ba réfugiés bazana frontière à Rwanda, ce n'est pas bon. Tozana mo nozana bezo bo sunga biso potokoti sa bango na kati ya Congo. Le Congo a présenté un budget de 450 millions de dollars pour na ko déplacer 1 200 000 réfugiés na ko désarmer ba militaire Hutu. La communauté internationale a promis cet argent et l'argent n'est jamais venu. Donc voilà responsabilité à la communauté internationale, mais il faut que le bas aussi hein, pour être complet. Le gouvernement Kengo, le gouvernement congolais a quand même essayé de faire quelque chose. Na première, deuxième guerre, il y a Nord Kivu, parce que na mois de février 1996, général Eluki, chef d'état-major général, il y a phase à monter opération Babengiango, opération Kimia, pour na essayer de neutraliser ba ou tourner ba ko ça la loi na Nord Kivu, ça n'a pas vraiment donné de bons résultats. A quoi qu'on reprendre deuxième opération, na mois avril 1996, à Bengiango, opération Mbata. Là aussi, ça n'a pas vraiment abouti. Donc, il faut que moi, là, quand même, il y avait une petite volonté, il y a l'autorité pour na essayer de normaliser la situation. Il faut dire qu'entre-temps, réputation est armée, na biso, ils allaient qu'ils soussent, ils allaient quitter avant. Réputation, c'est là qui a été. Comment est-ce que Beba pratiquement? Armée Beba qui, à l'époque, maréchal Mobutu a 50 000 hommes, armée à Mobutu, c'est là qui 50 000 militaires, dont la partie la plus combattante, la fraction la plus combattante, c'est 15 000 hommes, il y a Despé Mtouba Zala qui est très bien équipé, et puis il y a 3 000 hommes, il y a Demiap. Donc voilà, alors que Oignon Sobatika, le Bazala qui est un peu laissé à l'abandon. Merci beaucoup. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de 15 dollars par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longi Molili. Donc, on s'excuse auprès des auditeurs, des téléspectateurs, des sur YouTube, des Facebook, hein, suite à la connexion, signale les Kataki pendant quelques minutes, mais à la fin de cette émission, bon, on retrouve l'intégralité, bon, mon messie, nous, d'ailleurs, vous avez belé à Roland Lerro, naba plateforme, nabiso en ligne, nyonso. Alors, wana, l'isolo, y a deuxième guerre, y a Kif. Et l'équipe, première guerre, deuxième guerre, et l'équipe, na Nord Kif. Nord Kif. Si, quoi, toqué, côté la situation, na Sud Kif. Sud Kif, Toloba, à part, bah, désordre, bah, années 60, Sud Kif, c'est là qui kimia. Population bané ko vana entre na Kimia, population ni neza na Sud Kivu toza na Bashi, tribu Bashi ba Bembe ba Fulero ba Rega ba Havu ba Tembo ba Nyindu ba Barundi. Ah, Barundi bango banane ezali bato oyo balobaka Kirundi originaire ya Burundi, mais ba se tang ba kati ba frontière ba se retrouver na Congo ndenge to mona Kiruchuru. Na Sud Kivu pe toza na Barundi na biso ba benga ba Barundi baza pe na ba groupe na bango. Ils sont là, ils parlent Kirundi, mais baza ba congolais et tiaka bina makele le mingite parce que baza la un peu discret. Tozana ba Vira, Banyamulenge, Babouari. Donc Sud Kivu ezana 69 130 km², 8 territoires, 4 villes. Si koyo pona nini na Sud Kivu bazala ki na Kimia. Bazala ki na Kimia pour trois raisons. Raison ali boso. Raison à Liboso, non, quatre raisons. Raison à Liboso, les Banyarwanda du Sud Kivu, c'est-à-dire les Congolais de culture rwandaise. Banyarwanda du Sud Kivu, babenga wango Banyamulenge. Les Banyamulenge ne sont pas aussi nombreux que les Banyarwanda ndenge bazali na Nord Kivu. Donc déjà, c'est une petite communauté. Deuxième raison. Les Banyamulenge bavandaka na région moko o ezali na frontière te na Rwanda. Tomoni ke Banyarwanda ya Nord Kivu bavani na Rutshuru. Rutshuru c'est la frontière de
du Rwanda. Le Rwanda a la facilité à cause de la négociation de la loi. C'est vraiment à la frontière du Rwanda. Mmh. Alors que par rapport à Banyamulenge, entre les Banyamulenge et Rwanda, la tribu Moussous Bazali, entre autres Bashi et Bafulero. Troisième raison, la densité de la population au sud Kivu est faible par rapport à Nord Kivu. Par exemple, dans Masisi, il y a des endroits où Kuta 300 habitants au kilomètre carré, alors que dans le sud Kivu, Tozana, 82 habitants par kilomètre carré. Quatrième raison, il n'y a pas au sud Kivu de grandes fermes, de plantations minières où ils sont dans le nord Kivu. Donc, problème à Mabele, ça qu'on s'est posé, parce que dans le sud Kivu, Moutoumoko a cause un espace à Mounenete, alors que dans le nord Kivu, ba ferme, na ba plantation, ba belge, ba tikaka, ba tumsous, ba sombango. Donc, il posait peu problème à Mabele, mais problème à Mabele, ben, qu'on s'est posé, dans le sud Kivu. Mais situation est qu'on y a qu'on beba, n'engenine, dans le sud Kivu. Situation est qu'on y a qu'on beba, à la suite, il y a trois événements. Événement à Liboso, arrivé il y a des réfugiés dans le sud Kivu, des réfugiés burundais, entre 1993 et 1994. Pour Nanine, le 1er juin 1993, élection présidentielle et Salamina Burundi, candidat Hutu, Melchior Ndadaye, a gagné l'élection. Président sortant, il y a Mutusi, comme on a dit, Pierre Buyoya, a reconnaître la victoire. Il y a Ndadaye. Alobi, non, félicitations au gagné. Wana, na mois de juin. Le 21 octobre 1993, extrémiste Tutsi, ba soda, nakati armée burundaise, ba bomi président Melchior Ndadaye, na ba notable naye, pour ba zoa pouvoir. À peine élu président. Et donc, quelques mois, il a été élu au mois de juin, au mois d'octobre, ba bomi. Tant ba bomi ye, population est tombée qui guerre civile et bandit na parce que coup d'état au péchoua qui va tout ce qui pouvoir te bitumba et bandit, ce qui fait que à peu près 170 000 réfugiés burundais bakoti na Nord Kivu ba créer pe mouvement na bango ba bengi yango parti politique yango ezako konza Burundi lelo metango na ezaki na rébellion ba bengi yango CNDD FDD na 1994 170 000 réfugiés burundais baye na 94 rampe tomoni ba réfugiés pe rwandais ba koti sud Kivu na sud Kivu ba koti 380 000 réfugiés rwandais ba koti sud Kivu baye bango pe balobi awa sikoyo makambu il faut échanger tango ba réfugié na baye banyamulenge ba komi ko se sentir en insécurité parce que balobi ba génocidaire ba o ba uti ko massacrer ba tutsi na Rwanda baye baye pe ko sili sabiso en même temps ba milice pe ko ye ko apparaître chaque tribu pratiquement ya sud Kivu mutu na mutu a créé milice na autodéfense ale bitumbe bandi bitumba ye ko banda li susu donc tango bitumba ye ko banda situation est komi compliquée. Situation est comme compliquée. Si ba apparition ba groupe armé na uti ko baba milice wa ba ex phare ba soda ya Abiarimana parmi ba réfugiés ba za do ba commune sud Kivu na ba inter à moins APR armée ya Kagame et comme ko kati sa frontière na sud Kivu ko la na ba inter à moins na ba ex phare wana et puis ba bundisi bango ba zongi FDD, CNDD, bango basali milice na bango, armée nationale ya Rwanda ya Burundi ba benga ngo FAB, forces armées burundaises. Yango pe kati c'est comme commune ba opération Kivu. Ba milice Mai Mai, milice ya Banyamulenge, les phases donc désordre et comme généralisé na kati ya sud Kivu. Tango désordre et comme généralisé na kanisi pito ko sukana lelo. Désordre na ikoya ko mema na wana tuza 96 et ko ya komema na création ya plateforme moko boye et rassembler quatre mouvements plateforme na ba bengi yango AFDEL alliance des forces de libération démocratique pour la libération du Congo Zaïre et salami ndenge nini milice ya Banyamulenge le 6 octobre et attaquer localité à Lemera ba libérer Lemera le 18 octobre na Lemera
Afdel et Salami, composé de 4 mouvements. Mouvement Aliboso, to parti Aliboso Babengiango, PRP, et Ali parti à Laurent Désiré Kabila, à Salakiango en 1967. Tozali na CNRD, il y a André Kissa Sengandu. Tozali na MRLZ, il y a Anselme Massa Sonindaga. On a vu ça qui est ancien soldat à APR, à Zonga qui na Congo. Et puis, quatrième mouvement, ADP, il y a Deogracias Bouguera. Nakanisi le loto koyeko Sukawana, Pona, Tobanda Penda, histoire à Afdel, na numéro Ekolanda. 085-000-4440, 089-44-44-471. Bokoyeko bien abiso rapidement na ba numéro ana. Top Congo FMD identifiant abiso na Skype. Chapitre ami balé à la relation entre RDC na Rwanda, Tobenga Kiango, les guerres du Kivu. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour, bien invité Thomas Louaka. Bonjour Ndeko. Les gens à Israël, vous appelez la victoire. Toujours Kayo. Mais vous avez dit que vous avez dit que Thomas Louaka. En 1990, vous avez dit que vous avez dit Rwanda. Donc c'est que oh Kagame a ça la revanche. Mais oh ça on est pour la bise les revanche. Oh mon but à la gare moi na. C'est une préoccupation en gai. La ligne à tout na. Nous sommes à la histoire en bourg en abissau. Nous sommes tout autant pour la grande fois en abissau en échangeur. Alobi comme un échangeur. Alobi un échangeur on est à la cana et l'eau comme moi colo. Songe moi l'icolo. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le thème de l'émission. Toti Kama. Non. Oui, mais histoire, papa. Histoire. Omoni, moutoua, toyambi, hein. Poya, roloba, marabo, azo, roloba, saliba, recherche. Alors, yo, zo, longoula, yena, ki, vukuna, oye, la, yena, échangeur. Pardon, papa. Tika, bat, msouba, benga. 085-000-4440, 089-44-44-471. Tous à la radio disciplinée, t'es, bande, quoi, parlons-en. Toi, binde, ma, kambo, tambolaka. Allô? Allô, Thierry, bonjour. Bonjour. C'est papa Patrick à l'aéroport. Nous vous écoutons, monsieur Patrick. Ma question auprès de. Du chercheur Thomas Louaka, je le salue, de savoir, on parle de l'accord de l'Emera. Cet accord a été signé entre le 4 groupes dont vous venez de citer, où l'accord était signé entre Laurent Désiré Kabila Sen avec le commanditaire du départ de Mobutu. Merci. Merci beaucoup. 089-44-44-471, 085-000-4440. Allô? Allô? Bonjour, Papa Thierry. Bonjour. Je Papa Nadiso, pour la apport na pour la connaissance en Nadiso. Répartition parce que après c'est historique qui est bon bah Rwandais bah côté qu'on a bah 1908 bah évolué qui bah 60 ans nous sommes président Kasavu à la présidence et on a tout le psycho la constitution du tout on va reconnu bah congolais reconnu comme congolais bah tenu compte à quel élément voilà un peu compté. Merci. Merci beaucoup. Motuna malamo yokozoya nonango na deuxième partie parce que to avancer, to zongisima. Que dit la constitution actuelle par rapport à la nationalité congolaise? Tozi auditeur ya Souka na partie Oyo. Allô? Allô, 089 44 44 471. Allô? Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis en train de vous suivre en direct. Moi, c'est François Roubota, ministre au développement rural. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous sommes très heureux de vous écouter. Ah ouais, c'est une très belle émission. Je félicite d'abord Thomas Louaka pour le travail de recherche qu'il fait. En tout cas, je l'encourage. Merci beaucoup. Quand on a attaqué le maire, je dois rappeler ici que j'étais le directeur administratif et financier de l'hôpital de Lemaire à l'époque. Monsieur le ministre, ce n'est pas un peu plus de l'ingala, c'est un peu plus. Ah, ok, donc, je félicite le Kotoma Louaka, notre travail à recherche à Salakapona
ko éclairer ba congolais. Donc ba date o azolo ba naibi angope parce que na période wana na zaki nde directeur administratif et financier à hôpital et à le maire. Donc ba taka biso le 6 octobre 1996. Alors, ezan na moi ombre moko na signature ya accord wana ya le maire. Là, je n'ai pas tout naïe à se renseigner bien, parce que j'en ai les maires, où il y a les maires à place de Bando Sala, et les maires où ils sont à Rwanda. Parce que le 18, tant que la route nationale numéro 5 à partir de Bouguera, tu es délai, tu es à Kounate. Tu es à Bukavu, tu es à Ouvira par avion ya Nations Unies, il n'y avait plus de passage. Alors, nakanisi accord wana ezaki peut-être signé na les maires au ya Rwanda mais pas les maires au ya Congo. Peut-être doit bien se renseigner par rapport à ça. Merci. Merci Mingi, monsieur François Robota, ministre d'État au développement rural. Merci Nabino Tokutani na sima flash d'information pour na ressouki sa deuxième chapitre il y a histoire il y a RDC na Rwanda. Merci de l'émission Parlons-en, Leloyo Parlons Histoire, avec Thomas Luaka Losenjola, chercheur en histoire sur les relations entre le Rwanda et la RDC des origines à nos jours. Lelo Ezaki, chapitre Amibale, Tolobeli, les guerres du Kivu, hein, origine Nango, voilà, Makamebele. Tous en a nous quelques questions, il y a Mototo Pessa et occasion à répondre. Parce que Namituna, Alikamakor et les maires, ils ont mingi. 085 000 4440, 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Top Congo. Bonjour, madame. Oui, c'est Maman Rose Katinga. Oui. Bon, Nalingi Naye Baboui. Donc, la voisin, la biso, Azo, ça la biso Bitumba. Le quoi l'espace n'a pas été moqué. C'est-à-dire, à l'ingénieur, l'espace côté n'a pas été est-ce et puis, communauté internationale, l'ingénieur a appuyé le Congo et le Faraka Koufou. D'abord, il y a que bâti que le Kimia peut évoluer, qui mène en bocal à l'ingénieur, Merci beaucoup, Maman Kapinga. Pona Mutuna. Tozi pende kona Skype, Top Congo FM. Allô? Oui, allô. Bonjour, Papa Chéving. Bonjour. Oui, ande gopla mwa se yang kwe inabimi non depe ikoumi na lemba. Oui. Nengina tuna Papa Thomas. Ebimbe o ya puisa o mbuta gana sona wani zae puisa ni. O kagame gomaga to puisa mususu. Merci, question à Angwane. Merci beaucoup. Tosi auditeur Moussou Sonzela Singa sur les guerres du Kivu. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai une question à venir au niveau de la commune à Gombe. Oui. Dans la ligne, tout le monde le voit. À naissance, il y a dialecte, il y a tout. Et où t'as? Ok. Merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Nego Thierry. Bonjour. La PCP, M. Loa Kambote, ainsi que ma auditeur, ma auditrice, nous sommes à Top Congo FM, Alex, nous sommes en Autriche. Nous sommes vraiment à l'émission. Et puis, M. Loa Kazan, un bon. Aïe, nous avons raconté l'histoire, aïe, bien maîtrisé, ma rambassade, ma rambassade, ma recherche, c'est bien beau. Mais na kota vraiment na détail à ma m'souste parce que na bombi yango pour na semaine prochaine ou émission prochaine. Maintenant on a trois questions vite fait. À l'obéli et l'homo à l'obéke, il y a des autochtones Banyarwanda. Bon, il y a trois catégories, les autochtones, les transplantés et les réfugiés. Mais bah autochtones on a dans toutes ces histoires, on dirait à l'obéli bango mingité. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'il en est de ce groupe d'individus au Bolobi, bien que conférence à Berlin, écoute qui bango na ngambo ya Congo. Et de deuxième question, Zali, à l'obi et l'homo à Biba Bosco Tangana, monsieur Moussouana, nani Kunda Batoa, na Moutebousi, Baza ba Congolais,
Bakendaka kobunda na compte ya APR, yango Rwanda a utilisé toujours bato o babundela ya zongsela bango biso na Congo. J'aimerais savoir batwana baza ba congolais de quelle catégorie? Est-ce que baza ba tutsi ya catégorie autochtone, transplanté ou bien réfugié ou bien baza ba congolais bantu? Et troisième question, wana eza sikoyo à lui en tant que personne, parce qu'il a participé na ba marambo, tout peut-être qu'il va nous raconter plus prochainement. Les lobiso en tant que peuple naïf n'a réclamé qu'à au côté du docteur Mukwege application et rapport mapping pour notre tribunal moko ya sukisa makambu ou impunité. Pourquoi eux les politiciens comme lui d'abord qui connaît l'histoire très bien et puis à participer à la bilo qu'on a tourné là prochainement, pourquoi basalaka soutient mon côté officiellement, ouvertement, bah, soutenir l'idée que rapport mapping, il faut être la prise en compte pour que tout soit justice, n'a pas valable, durable dans le Congo une fois pour toutes. Merci beaucoup. C'était mes trois questions. Merci beaucoup, monsieur Alex, depuis Vienne en Autriche pour notre intervention. Yo, Alain, tu as intervention à Souka. Na 085 000 44 40, stoppé na 089 44 44 471 avant tout ce qui topé ça éviter Maloba. Allô? Allô, bonjour, c'est Thierry Gambon. Bonjour, monsieur. Monsieur Blanchard. Oui, monsieur Blanchard. À Gombe. Oui. Je suis invité à Bissot Thomas Loaka. Aïe, bien. Mais histoire que côté Batou et Zarabing, est-ce qu'à cause d'une idée de la salle, on a filmé? Ça tourne vraiment film, mon coup, long métrage. On sait tout le monde a causé dans CDN, on a causé dans l'histoire de Moutou. Et nous, on a gagné 5 années quand même. Merci beaucoup. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Alors, M. Thomas Louak a plus le moyen de recevoir un appel parce que Ngonga est qui? L'histoire ici, ma histoire est Zarabongo, c'est assez long. On va s'arrêter dans quelques instants. Et en plus, de retour à ma message, na 089 44 44 470. Alors, 1990, bah, Soudan a biso bakoti na Rwanda, Toyoka qui obété le biso l'isolo. Est-ce que, Paul Kagame, Azosa, Lélo, Eza, qu'on s'est vengé contre RDC, parce que, en 1990, Mobutu a tindaka, bah, Soudan a biso sous la conduite à Général Maël, et bah, qui n'est qu'au repousser rébellion. Naïbité, hein, naïbi état d'esprit n'a été, mais je pense que na politique, balubaka, camarade azate, mongune azate, nyon se lenda kaka makambo ba intérêt. Point de vue n'anga personnel, les alli que makambo oyo, politique Rwanda za komene lelo, bien sûr, il y a un rapport avec le Kambo 90, c'est-à-dire que, bako souhaité te Congo, ezonga na armée moko ya makasi, parce que ba vivaki dans le passé, puissance. Il y a armée congolaise, c'est là qu'il va dégager qu'on a. Bah, qu'on souhaitait tes zonga, mais je crois que plus motivation à Bango actuelle, ils allaient pour n'avoir intérêt économique. Accord et Alemera, bah, tu m'y balais, bah, zongile, notamment ministre François Robota, signé par qui? On tourne à l'Ebosso. Signé entre les quatre groupes, bah, Salaki AFDL, dont entre Laurent Désiré Kabila et ses parrains de l'époque. Ok, onga na yebi le mera ezali esika oyo afde le salama kine na ote kolobangwa le 18 octobre 1996. Est-ce que il y a eu un autre accord entre Laurent Désiré Kabila na ba soutien na ye Libanda wana na koyo ko kosa binote? Je n'ai aucune information sur ce sujet là. Na remercier peu ministre Robota na et les mab nouveau à memelinga na bandeko yeba ngoteke les maires ala kamibale les maires moko ezana Congo les maires musu ezana Rwanda exactement à ko resinyama ki wapi onga na bi création ya FDL et salama ki na les maires ya Congo. Est-ce que na les maires à Rwanda ko musu sinyama ki kuna ndenga pusenga na sala ba recherche na ko continuer ko tuna bandeko baza ko sungangai na ba réponse na ba recherche na za ko sala. Alors ba belge ba lobby après indépendance que batu ba ya ki na Congo le bazaki na Congo il y a 10 ans en 1950 ba pourquoi ko voter kasavu bu ba ba lobby il faut ezala ba bazaki na Congo na 1908 na tangwa ya mbutu ba bazongi na 1885 puis 1950 etc. Lelo yo constitution lobby nini qui est congolais
constitution na biso elobi boye après ba bitumbele kaki to kutani biso nyonso ba les forces politiques na société civile biso nyonso to kutani na San City pour na ko régler problème à la nationalité une fois pour toutes. Voici décision tozwa ki kuna décision anande e kota na kati ya constitution o toza na ngolelo elobi nini constitution na biso elobi oyo nyonso tata na ye koko na ye bande konaye bazalaki na Congo le 30 juin 1960 azali congolais. Voilà ndenge constitution na biso lelo e kati makambu ya nationalité oyo nyonso azalaki awa mukolo Congo ezwa ki independance azali congolais. Je ne veux pas entrer dans le débat parce que temps ezan moke mais nini ngwe poussa ibino bozwa décision on a finalement pour concilier toutes les tendances. Oui, parce que difficulté tozaki nango ezalaki nini comment ko séparer et bah transplanté il y a 1950 et 1930 1950 bah réfugié à 59 bah autochtone bah belge bah kutakawana c'était très difficile yo moko bi situation administrative il y a administrative il y a mboka na biso bah archives alité donc to lingai to bandaka ko kote na kati ba désordre yango pona ko éviter biloko na ba polémique nani aza congolais nani akoma ki ka nani asala ki boy bah recensement salamate yango na to décider ki oyo nyonso azalaki awa le mukolo ya independance mukolo Congo et koma ki na maboko na biso azali congolais. Voilà, Rwandali alukarazo mabene na biso to nini on a parlé de du Rwanda position ya communauté internationale tolobeli yango pe et bembe ya mobutu akena ozona Rwanda ezaki anani. Ah oui, tango ba beti avion ya président Abiarimana mwasi na ye na ba famille na ye bazwa ki ebemba Bayarimana bayaki nango na Congo matanga ya Bayarimana wana pesa la ki pasi na ba Paul Kagame matanga ya Bayarimana esalamaka na Guado pe Bayarimana bakundaki na Guadolite donc sikoyo tango afdele kokota na ba soda ya Rwanda bazako ya maréchal azalaki obligé na mwasi ya Agathe mwasi ya Bayarimana kokundola ebembe ya Bayarimana na Guadolite po bakenango isika msusu. Voilà, motuna mosusu likambo ya dialecte tutsi. Oui, il n'y a pas dialecte tutsi ezalite. Munoko oyo balobaka na Rwanda babengi yango Kinyarwanda. Munoko wana ba utu balobaka yango ba tutsi pe balobaka yango. Donc ba tutsi bana munoko na bangote, ba utu bana munoko na bangote, ba twa bazana munoko na bangote. C'est la même langue ezali parler na Rwanda, yango bazako sube ko bango na Ruchuru na Masisi et puis na Banyamulenge. Voilà, motuna mosusu Bosco Taganda Kunda Batware bazana catégorie nini. Ah siko wana en tout cas na ba information nazana ba détail te metoyebi ke na groupe wana ezali bana ba déplacé ya oyo ba transplanté bazali bana ya ba autochtone bazali na bana ya ba réfugiés à 59 bazali. Maintenant il faut service na biso ya renseignement et mener ba enquête un peu plus poussée pour na koyeba chaque élément participant ya M23 origine na ye exact ezali nini onga na yebi c'est que la plupart basala ki bitumba formation na bango na bitumba basala ki on a APR na armée rwandaise yango wana tileloyo Rwanda zalaka na mo influence sur bango mais bazali minoritaire parce que la plupart ya ba congolais o ba bunda ki bitumba Rwanda bazonga na Congo mingi lelo bazali na kati ya armée na biso na kotanga ba kombo awa te parce que ekoya ko beta ba kobota ba incompréhension pour rien bazali ko évoluer loyalement na kati ya armée na biso na FRDC pe bazali na contact ata mo côté na Rwanda d'ailleurs kutu beaucoup même babundisa ki M23 na tangu ya président Kabila. Rapport mapping, pourquoi bino ba politicien babunda raté pour implication na yango? Te pona aussi sana okunda atuna ki soki baza ba banani. Oui. Kunda Taganda baza ba tutsi. Baza ba tutsi donc baza ba bantu te baza ba tutsi. Oui, mais ba tutsi ya wapi par rapport à ba catégorie oyo ti wana ba transplanté, ba réfugié. En tout cas na yebi ke baza bana ya Ruchuru. Bana ya Ruchuru bakende kosala armée na Rwanda, babundi bitumba Rwanda na tangu ya Afdel.
tokoya komona ngona ba detail Rwanda siko tangwa linga ko panza bakaya ba réfugiés wana zaki na Congo 380 000 réfugiés na Sud Kivu 750 000 na Nord Kivu Rwanda azako banga kokota ouvertement akosala nini akozwa ba ancien militaire ya APR ba congolais akoya ko tinda bango a renforcer na bango na quelques unités alobi bino nyonso bokomi ba congolais boke ndeko sa langa mosala wana ya kopanza bakaya ba réfugiés ndeko mosu alobi osala film pona komona makambo yo ndeko mosu pe wilinda kana SMS alobi osala syllabus pona histoire ya Congo semaine passée balobaki okoma livre l'autre fois osala ki histoire ya Kinshasa balobaki okoma livre réaction ba projet ya livre ba livre ezali ebele mais oko senga temps pona kokoma mais problème ezate nazali ko rédiger malembe ça la balivre ezali pona ba documentaire wana ezali spécialité na ngate peut-être ndeko Thierry Kamundi oyebani na bato basala ba koyi ko réaliser ba ko sala ba documentaire je suis dispo merci mingi bon qu'est-ce qui fait que l'Est soit toujours le point d'accès au pouvoir et pour la déstabilisation du Congo pona ni Est ndeka za point de stabilisation à Congo en fait pona ni Est il y a nakolo ba trois facteurs toza na ba voisins o bazana ba ambition tozana ba voisin ou bazana ba ambition sur ba richesse na biso c'est le premier élément deuxième élément la complexité ya peuplement ya est na otiko la kisayo ango ce qui fait que parfois cohabitation est difficile troisième élément le fait que est eza musika na Kinshasa souvent Kinshasa réagit en retard mais lorsque les troubles se passent dans les environs de Kinshasa tomona yango Bitumba à deux reprises guerre bandana bolobo awana maindombe Kinshasa a réagi rapidement à neutraliser ba Bitumba na bolobo mobule bimaki ya RCD bimaki na ba Congo puisque Kinshasa s'est senti menacé Kinshasa a réagi vite donc ce qui est à quoi le cana périmètre à Kinshasa Kinshasa réagit ça vite mais comme c'est dans les Kivu Kinshasa souvent prend le temps et n'attend on a peu au moins la situation et ça qu'on s'aggraver situation et ça qu'on dégénérer donc c'est pour ça que nakoi ko sa recommandation Kinshasa il faut être là vigilant pour réagir très très vite même lorsque le kamulingé bandakaka il faut être à la proactif merci mingi ndeko chercheur en histoire Thomas Luaka Losenjola mbala sima torolobela isusu point mosusu et puis torolobela nayo ba réalité misusu ba chapitre to ba point misusu histoire à Congo car maramaron na Uganda te merci nayo pour la disponibilité merci pour na makanisi o mayele o partager na ba congolais il y a beaucoup de messages de félicitations d'ailleurs ici je ne sais pas les lire on se retrouve prochainement tropé sabino date mokolo Thomas Luaka Koya et puis ninto lobela lisusu na bino to retrouver to se retrouver lobby pour na sujet à parlons-en ya koyamba bande kwa snel problème ya lotili qui na ville à Kinshasa problème ya lotili qui na Congo on en parle demain dans un parlons-en spécial na équipe ya Société Nationale d'Électricité Adam. Merci beaucoup ndeko Thierry pour l'invitation. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais.